Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. On continue nos rediffusions de l'été et aujourd'hui je vous propose un deuxième numéro de la Bible à la casserole. Petit rappel du concept, on part d'un texte de la Bible et on concocte un bon petit plat en rapport avec ce qu'on a lu. Pour nous accompagner, nous serons avec Eric Lenz qui est pasteur et Eric Olota qui est chef cuisinier. Tous les deux travaillent au Liebfrauenberg, un centre de rencontres protestants dans les Vosges du Nord. Aujourd'hui on va se plonger dans l'Ancien Testament, on sera dans le livre de l'Exode et on va voir le passage où les Juifs, réduits en esclavage par Pharaon, doivent sacrifier un agneau. Et donc, on vous propose des entrecôtes d'agneau avec leur duo de patates. On regarde. 1, 2, 3, 4. Alors c'est l'histoire de la guéguerre entre Dieu et le pharaon d'Égypte. Le pharaon, il a réduit en esclavage les Juifs et leur chef Moïse et il veut pas les relâcher. Dieu, ça le gonfle, alors il envoie à Pharaon les plaies d'Égypte. Il lui met la misère, quoi. Mais ça suffit pas, il lâche rien, Pharaon. Alors Dieu, il décide de zigouiller tous les aînés de toutes les familles égyptiennes et pour pas se planter, il demande aux Juifs de tuer à la place un agneau, de badigeonner leur porte du sang de la bête et de la manger. Classe. Cette même nuit, on mangera la viande, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu. Du coup, pour la recette du jour, nous, on vous propose une entrecôte d'agneau avec son duo de pommes de terre et de patates douces, s'il vous plaît. Et au fait, à la fin, Pharaon, il craque et il finit par libérer les Juifs. Pour la recette, il faut 60 g de beurre, 260 g de pommes de terre, 260 g de patates douces, 300 g d'entrecôte d'agneau, du sel, du poivre, 30 g de crème fraîche et 30 g de vin rouge. Tout ça, c'est pour 4 personnes, hein, histoire de préciser les choses, Eric. Hein. Là, on va émincer une patate douce. Donc, j'ai fait une brunoise aux pommes de terre auparavant. La préparation de pommes de terre, pour moi, c'est très important. Donc, la patate, elle a été coupée il y a 2 heures. Mmh. Elle a été sortie de l'eau, elle a été séchée, donc ce qui explique qu'elle commence un peu à noircir, mais c'est tout à fait normal, c'est la fécule de pomme de terre qui fait ça, mais c'est ma manière à moi de faire la patate, parce que quand je vais la cuire dans la casserole, je veux qu'elle cuise rapidement, je ne veux pas qu'elle lâche d'eau et qu'elle me fasse, voilà, que ça fasse une bouillie. Je veux que les deux pommes de terre doivent rester complètes. D'accord, et maintenant ? Là, maintenant, je vais les mettre à cuire. Parce que le plus important pour nous, c'est quand même l'agneau. Oui, mais parce bon... Parce dans le récit biblique. Oui, mais l'agneau tout seul, en Alsace, c'est pas drôle. Alors, on a rajouté une petite garniture. Donc, on y met de l'huile d'olive. Oui. Une belle petite noix de beurre. Beurre. Hein, pour que ça soit bien digeste et qu'on prenne surtout pas de poids pour l'été. Après, c'est quelque chose de très simple à faire. Hein. N'importe qui peut réussir à faire ça. Et tu mets quoi? C'est du sel? Du sel, du poivre. Donc là, on a mis les patates, il faut à peu près 8 à 9 minutes de cuisson. C'est pour ça qu'on fait ça avant l'agneau, parce que l'agneau, lui, il lui faut 3-4 minutes de cuisson, qui serait une cuisson beaucoup plus rapide. Pour faire de l'agneau, j'utilise aussi une poêle très chaude, hein, parce que je trouve ça... Là, on est à fond. Là, on est à fond. Donc, je pense, à l'époque de Moïse, il n'avait pas ça. Non, bah non, il cuisinait au feu de bois. Hein. Au feu de bois. Bon, l'agneau. C'est dans le récit de l'Exode, du peuple d'Israël, de l'Égypte. L'agneau, c'est important, parce que c'est une bête sans défaut. Et ça remplace aussi le premier-né, donc c'est le premier-né qui sera tué chez les Égyptiens, donc dans la nuit de Pâques. Et on a un parallèle, l'agneau, tu as parlé de l'agneau tout à l'heure, donc c'est l'agneau Jésus. L'agneau de Dieu, c'est Jésus, qui est dans la Bible, selon l'évangile de Jean, le Fils de Dieu, et qui est sacrifié à Pâques. Bien sûr, pour cette raison, on a le même mot pour des fêtes qui se correspondent, donc la Pâque juive et la Pâque chrétienne avec le sacrifice. Mais il faut comprendre bien la symbolique
qui est derrière, parce que l'Exode, c'est la libération du peuple. Et Pâques, donc la Pâque chrétienne, c'est aussi la libération du péché, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire l'agneau avec un peu de morceaux de viande, on peut raconter des histoires. De fou. Voilà. Et je trouve ça c'est intéressant. Soren, c'est intéressant, oui, mais bon, il fait faim là. Hein. Donc on a mis nos médaillons d'agneau dans la casserole. Oui. Et tu mets un peu de beurre. Au centre. Au centre. Et tu laisses ça combien de minutes? Là, c'est... Bon, on en a encore pour une minute de cuisson pour la viande. Oui, et... On va la sortir, on va déglacer au vin rouge, on va mettre un peu de crème, ça va nous faire notre sauce. On va dresser et on va pouvoir manger. Très bien, mais de toute façon... Oh là, c'est très bon. Ah ouais, l'odeur, elle est grave. Ah, dire. C'est maintenant du vin. Toujours du vin rouge. Hein. Du vin rouge. Peu importe quel, peut-être pas le moins cher. Hein. Je me suis fait quand même... un hammam au vin rouge, c'est formidable. Ouais, je un mets peu très, de crème. Très très peu de crème. Hein, comme vous pouvez le remarquer, en général, je mets toujours très très peu de crème. De jus. Moi, devant un plat comme ça, je succomberais bien au péché de gourmandise. Voilà, Eric, c'est l'agneau enfin. Décidément, je te sers. Hein. Tous les mois, super. En ce moment, je te sers à manger super. De l'agneau. Un très bon appétit, Soren. Bon appétit, Eric. Ce coup-ci, je m'en suis fait deux. Bon app, les gars. Voilà pour ce plat d'agneau. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait un plat estival, mais peut-être cuite au barbecue, bah, ça devrait faire l'affaire. On va revoir maintenant un reportage sur une communauté religieuse située à Belmanie, dans le Haut-Rhin. Dans cette communauté, parmi les 14 religieuses, il y avait 9 malgaches. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir Raphaëlla. On regarde. Raphaëlla, 36 ans, est sœur au couvent de Belmanie, village entre Mulhouse et Belfort. Elle a quitté son pays, Madagascar, en 2005. Chose qui m'a frappée tout de suite, quand je suis arrivée à Paris, il y a les gens qui courent tout le temps. Et moi, je dis, mais comment on peut vivre comme ça? On court, on ne prend même pas le temps de se dire bonjour. Et ça, c'était quelque chose qui m'a frappée. Mais comment on va vivre dans ce pays où on ne prend pas de temps pour regarder qui est passé, pour saluer les gens? Et ça, c'était... Comment a-t-elle pu savoir qu'elle voulait devenir sœur? C'est un appel que j'ai senti au plus profond de moi. Et donc j'ai dans ma vie depuis l'âge de 6 ans, c'était tout dans ma tête que je serais religieuse. Et j'étais tout le temps avec les sœurs pour savoir comment je vais devenir sœur. Et on m'a dit, oh, c'est pas facile d'être religieuse. Il y a les tentations quand on est jeune avec, et surtout quand on regarde les... Moi, j'avais beaucoup d'amis, elles ont eu leurs copains, et puis voilà. Et moi, j'étais là, non, moi, je voudrais être religieuse, donc je n'ai pas le droit d'avoir les copains, parce que sinon, je suis tiraillée là-dedans. Mais il y a quand même le doute, est-ce que c'est vraiment ça? Et avec la prière, et ça se confirme. Bonjour Marie.
Lorsqu'une personne souffre, il arrive à Raphaëlia de lui proposer un massage. Comme ici, à une de ses amies qui a souhaité rester anonyme. Non, ça m'a pas surprise que une sœur puisse apporter des choses, ce sont des choses positives, que ce soit par les massages ou par l'écoute ou par autre chose, ça m'a pas surprise. Pour moi, c'est un équilibre au niveau des énergies, c'est-à-dire que quand on n'est pas bien ou quelle que soit la raison, on sent ces énergies qui vont plus vers le côté négatif. Et par le massage, ça permet une certaine régulation. Si elle n'avait pas été sœur, quelle aurait été la vie de Raphaëlia? Si je n'étais pas religieuse, par exemple, moi j'aimerais bien être dans le... Oui, dans l'armée, quelque chose comme ça. Ou bien agent secret. Oui, c'est... ou police, ou gendarme. Moi, j'étais étonnée d'ailleurs quand j'ai vu ici il y a des femmes gendarmes. J'ai pas, à Madagascar, il n'y avait pas. Elle ne se voit pas du tout dans la peau d'une mère de famille. On y pense, on imagine, mais je ne me vois pas dans... Et être une mère de famille, par exemple, pour s'occuper de mon mari ou de mes enfants. Mais j'aime bien les enfants et j'aime bien voir les familles ensemble avec le papa, le maman, les enfants. Et c'est beau ça. Et c'est aussi une vocation. Raphaëlia n'a pas de téléphone portable et elle ne peut aller sur Internet qu'une demi-heure par semaine. Pour autant, elle se sent libre. Et oui, je me sens libre parce que je ne me sens pas liée par des choses matérielles ou comme ça. Je ne me sens pas les besoins. Par contre, et je le sens, si je n'ai pas fait mon devoir ou si je n'ai pas prié. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens tout de suite, pourquoi ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis, ah, je n'étais pas encore à l'adoration. En devenant nonne, Raphaëlia a fait vœu d'obéissance. C'est ainsi que depuis peu, elle a été envoyée avec 4 autres sœurs à Dijon pour y développer les activités de la congrégation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et à bientôt.